Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo pour vous expliquer ce qu'est une FMA, donc une fête et manifestation de niveau local ou de niveau régional. Alors, c'est quoi une fête et manifestation régionale, d'intérêt régional? Donc, c'est un événement d'intérêt touristique. C'est une manifestation qui peut intéresser un public dans un rayon géographique de plus de 30 km. Donc, on n'est pas sur une manifestation qui va concerner que les habitants de la commune ou de ma communauté de communes, par exemple. On va être sur un événement qui va faire se déplacer, par exemple, des habitants de Beauvais jusqu'à Compiègne ou jusqu'à Senlis, donc vraiment avec des flux de visiteurs un peu plus éloignés, et qui a forcément une photo d'illustration. Pour vous donner des exemples, une FMA régionale, c'est par exemple toutes les brocantes, les vide-greniers, les marchés de Noël, les feux d'artifice, c'est tout ce qui va concerner les produits locaux, le savoir-faire, tout ce qui va être randonnée, balade comptée, les courses et les compétitions sportives départementales, nationales ou internationales. Tout ce qui a trait à la randonnée au tourisme vert va être de niveau régional. Les visites guidées de villes ou de sites touristiques ouverts exceptionnellement. Les festivals de musique ou de théâtre, mais qui ont lieu sur plusieurs jours. On est sur des gros événements. Contrairement à ça, il y a les événements locaux. Donc là, on va être sur les braderies de commerçants, les forums des associations, bourses aux jouets, loto, les dons du sang, concours photo, de pétanque, de pêche, visite libre ou visite guidée de l'église du village. C'est sûr qu'on ne peut pas, entre la cathédrale, par exemple, de Beauvais et l'église du village de Martincourt, par exemple, on n'est pas sur le même intérêt touristique et la même... Le même attrait. Donc, tout ce qui va être visite d'églises ouvertes, de choses comme ça, ça va rester en niveau local. Toutes les programmations, par exemple, du théâtre de la ville ou de salle de spectacle, va rester aussi en niveau local. Un spectacle de danse, un concert de musique, juste daté sur une soirée, reste en local. Les bals populaires, l'été dansant, fête de la musique également, conférences ou débats politiques aussi. Une précision, donc la fête de la musique, on en a parlé, mais les journées du patrimoine, c'est pareil, les événements restent en niveau local parce que sur le site de West Tourisme ou même celui du CRT, on met le programme départemental de la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, donc on ne met pas les 150 lieux ouverts aux journées du patrimoine dans les FMA, sinon ça explose complètement les listings de FMA. On met uniquement le programme PDF qui est proposé par la DRAC. Voilà pour ce tuto. J'espère que c'est plus clair pour vous sur ce qui est en niveau local et ce qui est en niveau régional. Donc, l'intérêt touristique, le public forcément qui va se déplacer. On n'est pas sur une manifestation d'habitants et il faut forcément une photo d'illustration. Merci beaucoup. À bientôt.